Oui, il y a une team, team. Il y a une team là-haut, il y a une team, regarde, il y a une team qui monte. Tu veux qu'on monte là-haut? En vrai, franchement, vas-y. Your presence annoys me, do you not fear about my burning aura? Putain, ça y est, on va plus sortir. Avant que cet épisode ne démarre, je voulais vous avertir que chaque semaine désormais, je poste le planning des streams dans l'onglet communauté. Allez le voir chaque semaine du coup, vu que vous avez pas forcément toutes les notifs. Et comme vous le constatez, cette semaine, il y a une semaine plutôt chargée et spéciale avec pas mal de nouveaux trucs, notamment là. Alors, ça vous tente de passer? L'event de ce soir, jeudi et dimanche soir va être insane. Je suis en train de devenir un streamer pro petit à petit là. J'ai pas dit mon dernier mot encore. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour du Minecraft UHC Battle Royale modé comme d'habitude, épisode 4 et 5 de Aether UHC, toujours la même série en cours de diffusion dont les épisodes sont à retrouver dans la playlist du même nom. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous devez évidemment les regarder. Et donc oui, effectivement, double épisode aujourd'hui. Je n'ai pas publié l'épisode 4 il y a deux jours, comme je l'avais dit à la fin du troisième, j'ai reçu 2-3 messages concernant ça, du coup je voulais le rappeler, c'était prévu, ne vous inquiétez pas, il y a aucun souci. Bref, si vous venez de découvrir le concept, il s'agit d'un UHC, donc Battle Royale, avec le mode Aether, ce mode légendaire sur Minecraft. L'objectif était de s'y diriger dans un premier temps, ce que nous avons enfin réussi à faire. Et désormais, nous entrons dans la deuxième phase de la partie, la phase PVP, la phase découverte de ce nouveau mode, et surtout des nombreux challenges, notamment les temples de l'Aether, qui sont carrément déconseillés sur le dock, surtout le temple d'or. Déconseillés? Mais vous croyez que ça va nous décourager ça? N'oubliez pas de like, partager, vous abonner, tout ça si ça vous plaît. Allez bref, on est parti, j'ai envie de jouer. Let's go. Ouais, alors surtout pas se tromper de côté. Comment ça marche maintenant? Alors déjà, merde, t'as pas des torches? Si, j'en ai, pourquoi t'as... J'en ai quelques-unes. Donc ouais, go trouver des arbres dorés, déjà. Ok, des arbres dorés, vas-y, je te suis, parce que à partir du moment, c'est toi qui connais, donc c'est quoi que j'entends là? Y'a un slime. Oh, c'est trop bien, mec! Y'a des baleines partout! C'est des mobs passifs, t'inquiète. Il me jette des boules de neige, c'est normal ça? Ça fait pas de dégâts, mais ça te punch. Qu'est-ce que... Putain, ouais, je suis enjaillé, j'ai l'impression de découvrir un nouveau jeu là. Comme un gosse, quoi. Je surveille qu'il y a personne qui arrive, parce que quand même, faut pas oublier quand même que c'est pas juste Aether, quoi. Le scénario Aether Ebus est désormais activé, restez dans Aether. Bon, bah à partir de maintenant, ça va commencer à être la merda. Potentiel baston partout. Ah ouais, mais c'est trop bien en vrai, je trouve ça trop bien. Bon, du coup, y'a comme 4 morts déjà. Ah oui, t'es même pas full vie, t'as 0 capel. Ah oui, non, là c'est bon, j'en ai une maintenant. Enfin, moi, je peux être full vie pour un fight. Là, c'est à bridge en face. C'est à bridge? Donc il peut y avoir oui, des y a team, team. C'est qui? Je crois que c'est Nimbus. Tout seul? T'es où? J'ai pas vu. Je suis par là, je suis en sneak. Il a un plaçon. C'est Nimbus, oui, je crois. Il est tout seul. Il a un plaçon. Ok, on va par où? Faut qu'on y aille. C'est bon, j'ai le parachute. Mais là, ça va être chaud d'y aller. Hein. Ça va être très chaud de bridge avec tous les. Comment tu fais avec le parachute? Tu fais clic droit quand tu sautes. Et tu prends pas de dégâts par terre du coup? C'est quoi le problème? Non, tu prends pas de dégâts. Ok, donc si jamais je tombe, je l'utilise. Et tu t'as pas besoin de. On a pas noté les coordonnées du. On va dire que c'est 700-200, je crois. Tu veux bridge là? C'est un peu risqué s'ils sont à côté. Bah ouais. Regarde, ils sont là. Ok, je le vois, il est là-haut. En fait, faudrait juste qu'on monte au-dessus, mec. Si on monte au-dessus, on est tranquille là. Regarde, il nous a vu, je crois. Non, il nous a pas vu. Faudrait qu'on puisse bridge, puis après qu'on monte au-dessus, mais ça c'est chaud. Surtout avec les éphires qui nous. Tu peux tenter de bridge par là? Ouais, je peux tenter. Ah non, ils vont nous voir là. Il est là. Ah, il nous a vu. Mais c'est pas grave. Ah, il m'a shoot. Et attends, pourquoi il est seul? Ah, oui, mais il était mort. Il est mort. Il va tomber. Oh! Presque. Faut vraiment pas qu'il tombe, on a besoin de son stuff hein. et de ses gapples. Hein. Faut qu'on aille le prendre en vrai. Par où on pourrait passer pour aller le battre là? Parce qu'en vrai, son stuff nous aiderait de ouf. Hein. Y'a un donjon de l'or au-dessus, mais je pense que ça doit être... c'est trop chaud de tenter pour nous sans les gapples. Tous ces trucs là de l'or que tu dis? Ouais, le gros donjon. C'est trop chaud sans les gapples. Mais je sais pas si tu veux tenter et risquer tout là-dessus. C'est l'île là-haut que tu dis que c'est un donjon? Ouais, sachant que si on. Enfin, dedans, tu sais ce qu'il peut... Il peut y avoir des épées qui nous régènent quand on perd la vie. Ouais, des épées qui. Comment... Il faut combattre un boss pour ça. On va jamais y arriver avec le puzzle. Non, on a même pas une gapple. Si on avait genre 2-3 gapples, ce serait. Bah justement, autant étape 1, aller buter d'un bus, étape 2. Aller faire le donjon, non? On peut faire ça, ouais. Moi je suis en train d'avancer là. J'étais en train de chercher un moyen de passer, mais en fait, avec ces putains de trucs qui nous shootent, on peut pas passer là, c'est horrible. Ouais, c'est toujours là, Nimbus. Après, si tu veux bridge, je te dis dès qu'il y en a un qui te shoot autour. Hein. Ah bah, si tu veux, je peux. Attends, dis-moi s'il me shoot, Nimbus. Mais je sais pas où t'es en fait. Ah oui, t'es là. Ok, vas-y. Il est là-bas sur le nuage. Sur le nuage? Pour l'instant, je vois rien. Nuage là-haut. Ah oui, ok, vu. Ok, ouais. Pour l'instant. Je te dis, pour l'instant, il y a personne qui te shoot là. Oh, attention, ouais, de l'autre côté, putain. Ouais, il est monté tout là-haut. Ah, j'ai pas envie de gaspiller toutes mes flèches en fait. Comment il est monté tout là-haut? Attends, je tente, dis-moi si. Lui non, ouais, vas-y. La tornade, fais gaffe, elle peut te pousser. Bah, tu peux y aller en courant. Non, ça passe, si tu cours, ils peuvent pas te pré-shot en fait. Oh, j'étais désintégré devant moi. J'étais sûr, j'étais pas serein là. Vraiment, j'étais pas serein du tout. Hein. Bon, maintenant, on peut monter. Allez, go au-dessus. Bah... Après, est-ce qu'il est toujours là-haut? Il est là-dedans, ouais, il est là-dedans. Hey. Ouais, je vois ça va dépasser. Est-ce qu'on tente de monter ou pas? Ah, mais il est là. Il y a une team là-haut, il y a une team, regarde, il y a une team qui monte au loin. Ah, ils vont faire le donjon, je crois. Bon, on pourra pas les shoot en fait. Ah, oui, c'est toté. Ouais. Si, c'est toté. Oh putain, c'est quoi ce bordel là? Regarde, c'est quoi ça? Ah, ils ont des items. Oh, il est tombé. Ah, il est tombé. Ah, mais il s'est enfui dans le. Ils vont loin, frère. Comment ils font? Du coup, ils activent le parachute et tu peux fly comme ça? Ils font clic droit et du coup, ça fait que tu tombes. Attends, j'essaie un coup parce que si on teste dans le. Qui c'est qui va tomber? Je sais pas, t'as pris une flèche? Ouais, je suis pas tombé tout en bas, c'est bon. Tu veux que je vienne avec toi du coup ou... Non, c'est bon, je peux remonter. Putain, dommage que Nimbus soit barré là. Mais du coup, Nimbus ouais, il pourra jamais revenir en fait. S'il reprend son portail, il va pas respawn ici son portail? Mais ça fait deux fois qu'il descend exprès pour se barrer de nous. Y'a quelqu'un là-bas, c'est bon, il vient de respawn en face, je l'ai. Il est où? Il est où? Tu vois là où il y avait son portail? Bah, il est en face. Va falloir traverser quoi, va falloir bridge. En bas, y'a un bridge, tu vois. Il est bien parti en face. Ouais, il a parié en face, ok. Je suis le bridge du coup là? Ouais, il a déjà cassé son portail donc je sais pas s'il est redescendu. Il est en train de se faire shoot, je vois où est-ce qu'il est. Sois discret, faut que s'approche de lui. T'es juste derrière moi? Ouais, je suis derrière toi mais pas juste genre. Okay. Je suis en bas de la falaise là. Je vais backstab. Vas-y, faut vraiment que tu le tues, vas-y. Tue-le. Ok, 20, vas-y. Il y a 5.
c'est bon. Nice. Oh, il avait qu'une seule gapole, mais c'est déjà ça. Et le stuff surtout. Tu veux le stuff ou. Je veux le protection. Enfin, j'en ai pris un de protection. Oui, j'ai le plastron du coup. Tu peux le prendre, je prends le P2. Non, mais attends, c'est une pièce, on a le droit. Ouais, c'est une pièce, mais du coup, tu peux échanger entre ta pièce. Voilà, nickel. Tu veux de la ghoststone un peu? Je t'en donne la moitié, comme ça, on en a, regarde. Ouais, pourquoi pas. On en a 10 chacun, comme ça, si jamais on tombe. En gros, j'ai récupéré une gapole pour. Bah, c'était quand même worse parce qu'on a récupéré du stuff quoi. Et la table d'enchant, je vais récupérer le power 1, on s'en fout. Il y a une selle, je sais pas si c'est utile. Une selle, ça peut être utile pour les cochons. Ah, Nanox shot par Nems. Ah, surtout qu'en plus, il a dit. Ils sont full vie, what the fuck. Là, à mon avis, il va rager Nanox. En vrai, s'il y a un peu d'or qui drop, je suis pas loin de pouvoir te faire une gapole aussi. Au moins une, hein, ça serait pas mal. Ça, c'est très bien que ce team en question meurt. Oui, après, j'ai peur du stuff qu'ils doivent avoir à Damien Nems. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de gapole en cave. Ouais, mais regarde, ils sont en train d'utiliser tout leur heal maintenant. Nems tué par. Quoi? Quoi? Il est mort comment, Nems? Alors, soit ils avaient un item de donjon, soit ils étaient dans le donjon. En vrai, ça nous arrange de ouf, hein. J'ai pas de mytho, hein. Ça nous arrange de ouf, ça. Hein. Bah, team Nanox Titi out déjà. Oh, merci. Quel bonheur. Là, en vrai, j'aimerais bien voir si on peut pas trouver un donjon de bronze, ceux qui sont très faciles. Parce qu'avec une gapole, on les fait large. On peut regarder un peu. Attends, t'avais une selle, t'avais dit? Ouais, j'ai une selle là sur moi. Attends, y a encore un. Tu veux qu'on continue à casser des orbes d'or ou qu'on aille zéro? Bah, en vrai, on va zéro, je pense, hein. Okay. En vrai. Et ouais, fais gaffe si tu vois genre des couloirs. Je regarde sur les bords des îles si tu vois des couloirs. Ça veut dire qu'il y a un donjon. Oh, Banano, ok. Ah, ça fait backstab par Banano. Low. Ah ouais, putain. Ah, c'est bon, là, il y a un donjon, si tu veux. Ouais, on peut tenter, vas-y. Hein. En fait, c'est mieux qu'on retourne par là d'où on vient. Ah ouais, tu veux aller par là-bas, ouais, j'avoue. Toi, tu vois de loin, là, putain, comment tu fais pour voir si j'ai 16 de rendre à distance. Ah ouais, ouais, moi j'ai mis 12 pour être sûr d'avoir tranquillou, quoi. Pour être sûr d'avoir tranquillou, ça veut rien dire, ma frère. Ouais, être sûr d'avoir tranquillou. Ah bah, ça affiche pas ton kill dans le scoreboard. Ouais, c'est bugué, c'est bugué. Ouais, on s'en fout, c'est pas grave. PvE, c'est kill. Ah ouais, de ouf, frérot. C'est pas grave, c'est tout bugué. Attention, il y a des oiseaux très chiants, comme tu les appelles. Ouais, c'est leur nom. Et tu cherches dans le wiki, ça s'appelle comme ça. Vas-y, go de ouf, tenter le donjon là. J'expliquerai la strat parce que j'ai testé un truc tout à l'heure, genre je connaissais pas la strat, mais ça rend le boss hyper facile. Ok, en fait j'ai l'impression de découvrir un nouveau jeu là. Je crois que l'ouverture est par là si je me trompe pas. Ah là non, c'est pas ça là? Oui c'est ça, c'est à côté. Alors déjà fais gaffe parce que dans le sol il va y avoir des trucs qui vont sortir du sol qui vont te propulser en l'air. Quoi ça? Ah les torches elles marchent pas, merde. Il faut des torches spéciales dans ce monde. Bah on s'en fout. Non mais on voit que dalle. Moi aussi mais bon moi j'arrive. Attends, c'est un charbon qu'on trouve dans ah, ce. Ah oui c'est le charbon que tu dis. Ok. Ah il y a une autre entrée. Ah bah c'est encore le même donjon mais plus proche. En vrai c'est stylé comme ça, regarde. En vrai il y a cette. Ah de ouf, j'ai trop envie d'y aller, vas-y on y va, on s'en fout des torches. Donc déjà fais gaffe, il y a des. Ça avance en même temps que nous la lumière. Ah oui, c'est parce que j'ai. Attends, je vois. Bah voilà, nickel, on a pas besoin de poser des. Y'a des mobs qui vont spawn. Ça, y a des coffres, mais ça risque d'être un faux coffre. Non, c'est bon, c'est un vrai. Ah bah c'est bon, j'ai des torches. C'est quoi ça, Golden Dart? Des darts en gros. Putain, j'ai des... de la Holy Stone, c'est comme la Holy Cube. Fais gaffe. Oh, j'ai Zenith Sword, c'est quoi? Oh, c'est nul, c'est nul. Mais Sweat Cape, ça peut être bien. Oh, ça, on a pas le droit à côté, hein. La axe. Attends, la cape. Attends, j'ai juste envie de voir ce que ça fait, genre. Eh, bah, c'est juste une épée, quoi. Toi, hein. C'est juste une épée avec le minerai. Ça doit être tellement balèze, ça, sa mère. On pourrait tout shot tout le monde avec ça. Attends, je regarde ce que c'est la cape que j'ai récupérée. Sweat Cape. Ah, ça permet d'avoir des mobs. C'est quoi ça, Sentry? Ça doit être un truc de donjon. Bon, okay, en face, c'est le boss. Là? Non, pas encore, mais. Fais gaffe à ces mobs là, ils explosent. Ouais, donc en fait, il y a pas de boss dans celui-là, c'est dans celui d'à côté qu'il faut pour avoir le boss. Bon, j'ai avancé. Oh, mais tu connais trop bien, sérieux. C'est un professionnel de laser, hein, c'est trop fort. J'ai vu le wiki, quoi. Ah, d'accord, ok. Bah, professionnel du wiki, du coup. C'est... Non, mais le reste, je connaissais par contre les mobs là, ça je connaissais. Bon, j'ai 3 torches, j'espère que ça suffira. Alors, désolé pour le commentaire, on commente pas beaucoup, mais je devrais que alors... vraiment là, juste on découvre, c'est trop bien. Genre, c'est. Intense gameplay. Je suis comme un gosse là, je redécouvre. Ah non! Oh! C'est donc ça. Oula! Je suis bourré. C'est quoi? Fais gaffe, y'en a partout. Ah oui, y'en a partout, effectivement. Ah oui, aussi ça, c'est trop dangereux ça. Ah, ça fait trop mal. Attends, je vais t'aider, t'inquiète. Tiens, dégage ta mère, toi. Oula. Ok, faut qu'on aille dans le boss au plus vite, comme ça on perd pas trop de temps. Ouais, y'en a trop en fait. Ouais, t'inquiète là. Faut qu'on les tue à l'arc. Ouais. Tu es rebou. Ouais, ta mère, toi. J'ai quoi comme effet? Inébriation. Ah, j'ai pas eu trop de vie en fait. Ah, fallait essayer. Ah, mais sur ce mob là, genre avec le poison. Non, tu me toucheras pas, connard. Voilà. J'ai pas de tracker. C'est le coffre de Mario 64, dégage. Est-ce qu'il y a le boss enfant? J'ai peur d'y aller parce que j'ai plus beaucoup de vie. Oh putain, t'inquiète. Attends, je vais prendre des torches si j'en ai. Attends 2 secondes, je fais des torches, j'arrive. Aïe, ça fait mal cette merde. C'est bon. Moi tranquille, quand je ferai gaffe, je serai toujours full vie là pour l'instant. Mais attends, y'a pas de boss, il est où? Y'a les mobs qui respawn. Fais gaffe. Ah non, j'ai une sweet cap, c'est quoi ça? Skyroot poison bucket. Est-ce que tu penses que le truc poison bucket que j'ai ramassé, ça, si je le pose à quelqu'un, il est empoisonné? Si tu le bois, tu meurs en fait. Enfin, c'est un truc que tu peux boire, je crois. Et la cape, ça sert à quoi? Ça te permet d'apprivoiser certains animaux, mais je sais pas c'est quoi. Il se passait quoi là? Ouais, j'ai eu Fatal Error à Zocured. C'est bizarre qu'il y avait pas de. Bon, bizarre qu'il y ait pas de boss. Bon, on s'est juste fait niquer du coup. Oula. Mais c'était quand même intéressant. Fallait tester. Moi j'ai bien aimé. Bon, je pense que je vais couper juste 2-3 arbres parce que là je suis à 6 cœurs no heal quoi. Vas-y. Ah ouais, tu veux que je te donne ma gapole au pire? Au pire, bah y a pas mal d'arbres dorés. Au pire, on les coupe. Vas-y. Hein. J'ai plus de vie que toi. J'ai un cœur de plus que toi. Je peux te la donner. Au pire, moi si je meurs, je vais voir Koh Lanta après. Hein. Ah, y'a un d'or qui a drop. C'est bon. Y'a 2 d'or qui ont drop. Bah, il en faut encore quelques-uns. Oh, flou, Banano. Putain, mais Banano top 4 quand même, hein. Eh, Banano, c'est son truc là. Où sont les coffres? Attends, tu les avais récupérés les ors ou pas? Non, je. Ok. Je... Oh, attends, je vois. Ah non, c'est toi? Ouais, c'est toi. Banano, c'est une baguette tout, c'est bien ça. On va juste beat ici en fait. Ah, Kitu. Par contre, en vrai, j'ai peur de la team de Selgos et Shadoon. C'est une team qui fait peur, ça, par contre. Surtout qu'ils ont pas fight, donc ils ont forcément. En plus, tu sais, c'est quoi le pire? C'est que c'est moi qui ai dit à Shadoon tout à l'heure, tu veux pas team avec Sed? C'est bon, j'ai une hache de ouf. Fais voir son effet.
peux croire, je suis pas sûr. C'est juste de la merde. En fait, c'est vraiment juste nul. Ah, j'ai 20 pommes rouges, donc si jamais on a besoin, on pourra toujours. Ah oui, là ça drop bien, j'ai encore pas mal de. Je vais encore en prendre là un peu, mais bon. Moi, je t'avouerai que en vrai. Oh, bah attends, what the fuck? C'est quoi ces trucs là? C'est quoi les Golden Ember? Je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai une gapole, j'ai encore quelques lingots qui drop. Et après, je vais te rejoindre parce que les arbres ont quasiment tous decay. Ah là, j'ai 4 lingots sur moi encore. Moi j'en ai 2, hein. Donc 2 de plus et c'est bon. Bon, je sais pas où t'es parti par contre. J'ai avancé un peu. Moi, j'ajoute vraiment tranquillou, hein. Très chill là. Ouais, hein. Je prends vraiment pas la tête, aïe. Tranquillou quoi. Du coup, j'ai 165 bûches dans mon inventaire, c'est trop bien que ça stack comme ça. Ah oui, ça va. Quand j'ai mis les blocs dans ma deuxième main, du coup, ça m'affiche 162 bûches quand je pose des blocs. Et tu préfères qu'on aille mourir contre la team de cette gosse à Shadow ou qu'on aille tenter le donjon d'or et qu'on meure contre le donjon d'or? Mourir contre le donjon d'or? Ouais, contre du PVP, on a déjà fait un, enfin t'as fait un kill, c'est bon, on s'en fout. Tu veux qu'on monte là-haut? En vrai, franchement, vas-y, en vrai de gauche. Juste prendre la deuxième gap, par contre, vu qu'il nous manque pas beaucoup d'or. Ouais, on prend une deuxième gap et puis parce que je peux t'expliquer exactement ce qu'il faut faire. Non, mais en vrai, j'ai trop envie, hein. J'ai juste envie de voir en fait le donjon. En fait, on s'en fout du PVP là, on veut juste voir ce que c'est laser en fait. En vrai, je trouve qu'il est pas si dur que ça. Genre, si tu esquives bien, tu perds pas beaucoup de vie. Retenez cette phrase parce qu'on va mourir. Non, mais en vrai, je l'ai fait, faut juste être smart. Déjà, faut se faire une source infinie. Quelque part. T'as pas, il te reste pas un de fer? Si. Pile un seul. Bah, on peut faire un troisième saut, ça peut être bien. Tiens. Parce que le seul truc qu'on risque vraiment, c'est d'être en feu et de brûler pendant longtemps. Ça, j'ai ça aussi si tu veux. Tu peux le boire, ça te fera un saut vide. Ouais. Il y a une pépite là. Bah, en vrai, il manque 3 pépites. Donc, je vais aussi couper les armes en mots comme ça. Oh, attends d'ailleurs, viens voir. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai un d'or. Oh, c'est stylé, c'est pas un truc qui te donne jump boost ça? Non, voilà, ça donne ça. Comment t'as eu ça? J'ai fait kill droit sur le lapin. Oh, c'est ah bah tout c'est bon, j'ai eu. Attends, tiens, je te donne du coup tout ce que j'ai. Tiens, attends, on peut bientôt s'en faire une autre. Imagine, attends, on est venu avec 0 gap, on a plus d'or ici. Voilà, j'ai 2 gap et j'ai 2 d'or. Il monte pas moi. Ah c'est bon, ok, et après? Par contre j'ai rien viré. Ah merde. Je te suis, je suis méga chaud. Ça va être très chaud, hein. On risque de mourir. Mais non. J'ai très peur qu'on se fasse shooter, c'est ça le problème. Au pire on peut sauter avec les lapins, hein. Et de toute façon si on monte vite, les zéphyrs ils vont pas pré-shot en hauteur, je sais pas si vous voulez dire. Mais tu montes sans le lapin toi? Si je monte avec comme ça fait jump boost. Parce que là depuis tout à l'heure je me fais shooter, hein. En vrai je pense qu'il est plus simple que les autres. Mais du coup c'est quoi la strat, explique-moi déjà? Bah je t'explique quand on sera dedans, ce sera plus simple. De toute façon il attaque pas direct. Attends, go monter et drop dessus au pire, ce sera plus simple je pense. Non mais c'est trop bien en vrai. Moi je m'amuse carrément plus dans cet UHC que dans moi je m'amusais bien dans les Erebus en vrai. Ouais parce que en même temps c'est pas comme si vous avez fait 25 kills quoi en fait. Moi je m'amusais à chercher de l'or pour en perdre. Là je m'amuse à chercher de l'or mais pas pour perdre. Et pour tester des trucs sympas. Mais en vrai regarde moi ça là. Tu penses que le saut il passe là? Et puis on bridge, hein. Mais là on est trop haut pour qu'il nous shoot, hein. On bridge puis on drop un peu quand on sera assez proche. En vrai là je pense que ça passe. Tu veux sauter avec le lapin ou avec le parachute? Les deux dans le doute, je crois. Bon le boss est tranquille parce qu'il nous attaque pas direct. Je vais l'enlever quand je serai en bas par contre. Par contre, attends, faut trouver l'entrée. J'ai pas de quelque côté à aller. Mec, on a juste à tout casser en fait là. Bah, en vrai, si tu veux, on peut farmer ici. Mais mec, c'est trop bien en fait, regarde. Bah, go, on farme là au pire. J'ai vraiment une hache de merde, hein, par contre. T'as pas une table d'enchant au pire? Si, attends, je vais l'enchanter parce que vraiment j'ai une hache de merde. Bah, du coup, ouais, go, on prend pas mal ici, puis après on fait le donjon. Ça allait plus vite. Avec 3-4 gapoles chacun, je pense qu'on le fait sans mourir 100%. Ah, mais j'avoue que là, mec, en fait, pour farmer, on aurait dû venir ici depuis bien longtemps en fait. C'est vrai, je viens de réfléchir que c'était la chose la plus logique à faire finalement. Avec ça, on peut largement se faire 1000 gapoles, je crois. On va gagner grâce à ça. On va gagner en faisant des donjons, en s'en foutant du PVP. On est pas si loin que ça. Du 0-0 en plus, hein. La bordure elle va réduire, non? Non, mais ça va, la bordure elle réduit à la fin là, c'est bon, tranquille. Donc on a le temps de faire le donjon, et après on ira PVP avec ceux qui restent, ceux qui ont plus de heal, et on va prendre tous les kills et on a gagné. Voilà, c'est la fin de la game. C'est cool. Hyper intéressant comme mode, je trouve quand même. Bon, l'UHC ça colle bien, je trouve. Ouais, vu qu'il y a de quoi se faire du heal, il y a de quoi varier un c'est peu. C'est ça en fait. C'est que c'est pas juste un truc genre un mode où ça part en couille, là c'est vraiment une dimension à part entière et c'est trop bien. C'est comme si c'était un UHC dans la Twilight Forest quoi. Bah tiens, Tubax, voilà. Saison 2. Bon là par contre c'est pas la même histoire, hein. Mais en vrai ça serait méga intéressant à faire, quand même pour tester un jour, tu vois. Même pas forcément en saison, mais juste en UHC en live quoi. Vu que là il a réussi à passer le plugin avec un mode pack, on peut mettre n'importe quel truc quoi. En vrai, c'est quand même stylé ce que Gogum il arrive à faire là. Putain, ça nous ouvre tellement de possibilités, mec. J'ai pas encore beaucoup d'or, mais je pense que j'ai pas trop de trucs. En gros, le boss, ça va être un boss que tu peux pas le taper ou lui faire des dégâts vraiment. Mais il va balancer 3 boules de feu qu'il faut éviter parce qu'elles te font des dégâts. Et tous les 3 boules de feu, il va balancer aussi une boule de glace. Et l'objectif, c'est de taper sur la boule de glace, genre comme tu ferais avec une boule de ghast, mais sur lui. Okay, sauf que le truc, par contre, c'est que quand tu lui mets un coup avec la boule de glace, il va faire spawn un mob qui va te foncer dessus très vite, qui va faire masse dégâts. Et lui, par contre, tu le tapes pour de vrai. Donc je pense que la strat, c'est que dès qu'il y en a un qui arrive à mettre une boule de glace, celui qui se fait aggro, il va essayer de pas se faire attaquer. Puis l'autre, il va tuer le petit mob relou. Parce que le mob relou, il fait vraiment okay, mal. D'accord, vas-y, on fait ça. Bon, du coup, okay. J'en ai une moi, ouais, 2 d'or. T'en as 2 là. C'est où du coup l'entrée? Bah, alors où on va voir ce donjon? C'est pas par là, je vais aller faire un tour de l'autre côté pour voir. Ah, c'est là je crois, non? Il y a des blocs bizarres là. Tu vois une entrée, ouais. Après, c'est peut-être juste un coin du truc qui sort, c'est possible. Ah, ça. Oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est un coin. C'est quoi ce truc bizarre là qui est dedans? Bah, t'as peut-être trouvé le boss, hein. Regarde, c'est quoi ce truc bizarre là qui est dedans? Ah, non, je crois que c'est une baleine, elle est bloquée dedans en fait. Bah, j'ai trouvé, ça y est. C'était juste en dessous de là où t'étais. Ah, je crois, c'est là. Ah non, c'est pas du tout là. What? Oh, j'ai TTP dedans. Ouais, j'ai TTP dedans, frère. Attends, je vais aller à l'extérieur. Dis-moi où est l'entrée. J'ai du gap une fois parce que j'ai perdu 2 cœurs. Bah là, en dessous. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que le donjon il est en mode waouh, je suis méchant. Donc, d'abord, faut lui faire kick droit pour le provoquer. Et on tue pas si tu vois les messages. On tue pas ce truc là. Vas-y, si tu veux. Tu veux pas heal une fois, toi? J'ai le ré au début pour l'abso. Your presence annoys me, do you not fear about my burning aura? On reclique dessus.
Give me at peace. Pour moi, tu peux pas lui faire de dégâts, hein. C'est juste en lui balançant les boules. Perhaps you are on your own to do you wish to know who I am. I am a sun spirit of Aether machin. My body burns with the anger. No man, hero or villain, con army. You are no exception. Oui, on veut te challenge. Allez, on veut crever. Ah voilà, final warning. Allez, vas-y. Ok, c'est bon. Oh, putain, ça y est, on va plus sortir. Donc là, voilà, il va commencer à balancer des boules. Je te conseille de les éviter. Et aussi, ne passe pas à travers le boss, sinon il te brûle. Ok. Et évite les boules. En vrai, il est pas très dur. Enfin, il est genre. On peut le faire, je pense. Là, tu vas voir, voilà, une boule en or. Ok, et ça, tu dois le balancer dessus, c'est ça? Voilà. Ah, dommage. Et il faut lui toucher combien de fois? 5, je crois, ou 6 fois. Ça, ces boules de feu, elles finissent à force ou. Ah, là. Elles finissent, ouais. Ok, fais gaffe, là, il spawn le mob relou. Il va sur moi, le relou. Vas-y, vas-y, tue-le. C'est le tueur. Ok. Attends, c'est bon. Le truc, c'est qu'il fait mal, hein. Faut aussi que tu mettes quand il y a l'aggro. Attention, derrière toi. Yes. Aïe. Fais gaffe, vraiment, faut pas passer à travers. Éteins-toi. Ah oui, je peux. Oui, c'est vrai, j'avoue. J'avais oublié qu'on pouvait s'éteindre, que c'était pas le nether. Derrière lui. Ah merde. Il est touché, je crois, non? Non, là il va relancer une. Merde, ok, vas-y. Ah merde, il y a l'autre boule qui m'a. Fais gaffe. Ah dommage, il a d'autres. Éteins le feu si tu peux aussi. Ah oui, j'avoue, faut éteindre le feu, j'avoue. Attends, il y en a une là aussi. Je vais tuer. Aide-moi sur le relou. Ouais, vas-y. Parfait. Ok, nice. Faut le toucher en moins. Mange si t'as pas d'abso. Plus que 2 ou 3. Ah, dommage. Ça a failli toucher. C'est bon. Nice. Okay, aide-moi. Oh, attends, ouais, il va sur toi. Vas-y. Ok, nice. Il y a la boule derrière. Il va lancer une boule. Ah merde, elle est derrière. J'ai un peu de feu. Moi j'ai plus de gueule, hein, je te dis. J'en ai encore une, mais si t'es dans la merde, au pire je te la passe. Mais c'est bon, j'en ai cherché qu'une fois ou deux là. Merde. Il est sur moi. Ah, j'arrive. Oh putain, j'avoue que ça fait mal. Oh putain. Ah oui. Ouais, ça faut vraiment être à deux pour lui. Là je crois que c'est le dernier. Bah, j'ai 6 cœurs Noël. Je crois que c'est la dernière boule et il est mort. Attends, 4 cœurs Noël. Attends. Il faut un coup, Ça explose dans ma gueule depuis tout à l'heure, c'est trop chiant, genre. Ah, mais moi aussi, putain. Et c'est malheureusement ainsi que va se terminer notre saison. Je voulais dire la fin d'épisode, pardon. Ces deux épisodes se terminent dans ce temple, en plein milieu de l'affrontement du boss. Je sais, c'est tiltant, je sais. Moi aussi, j'aurais aimé vous laisser la suite, vous savez. Surtout qu'on meurt 30 secondes après, là, tu vois. Bah ouais, j'ai plus rien, frère. J'ai plus de heal, j'ai zéro. La game est foutue, là. Et vous verrez, l'épisode 6 fera 30 secondes. Et s'il fait pas 30 secondes, vous vous abonnez tous à la chaîne parce que ça voudrait dire que j'aurais réussi à faire durer un épisode de 30 secondes super longtemps. Et donc que je suis un excellent youtubeur, bah ouais. Vous pensez qu'il y a toujours des gens qui me pensent crédible à ce stade-là? Non, parce que je suis obligé de le dire. Après, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi t'as spoil l'épisode d'après? Mais frère, je dis que de la merde. Merci d'avoir suivi cet épisode, mesdames et messieurs. J'espère qu'il vous aura plus. Il y avait 2 épisodes en un, c'était quand même assez rapide parce que bon, hein, casser des arbres ça va 30 secondes, mais comme ça vous avez eu pas mal de contenu, du kill, de temple, bref ça régale, lâche ton petit pouce bleu et on se retrouve dans 2 jours pour la fin. Et oui, je vous le dis, ça sera la fin quoi qu'il arrive, on cumule tous les épisodes. S'il reste 10 épisodes, on cumule les 10 épisodes de la prochaine vidéo. Voilà, je vous le dis, c'est la fin, tout le monde fait ça. Maintenant, dernière chose, vous devez venir voir cet épisode final, vous êtes pas prêts pour ce qui va se passer dedans, vraiment. Salut, à vendredi!